tous et aujourd'hui on se retrouve pour un déballage exceptionnel. Il est 8h du matin, le jour de Noël, voilà le cadeau 2017-2018. L'iPad Pro 2 256 Go or, donc 12,9 pouces. Donc je voulais cet iPad, voilà, je voulais attendre que la version 2 sorte et attendre une bonne occasion pour l'acheter. Donc la voici Noël. Donc l'iPad est tout neuf, il est énorme et j'ai hâte de l'essayer parce que j'ai pas mal de jeux sur iOS, pas mal de jeux, 200, 300 peut-être, sur mon compte App Store, logiciels, jeux et autres. Et j'en ai d'autres que je vais acheter aussi pour l'occasion, donc j'ai hâte. Alors déballage de l'iPad Pro 2, donc on va enlever le petit film. Déballage d'un produit neuf. D'ailleurs, on peut. Je vais mettre en substitut ici ma petite Apple Watch. Hop. Et puis, j'ai aussi. Je fais une comparaison en même temps. De mon iPod Touch. Mon petit iPod Touch ici. Alors, par contre, c'est vrai que c'est pas. C'est un peu. C'est un peu. Je vais changer de côté parce que quand je le mets comme ça, ça fait de l'ombre et c'est pas terrible. Donc je change de côté et je reviens tout de suite. Alors je change de côté, je sais pas si ça va changer quelque chose. Ah oui, quand même. Donc l'iPad Pro 2, c'est parti déballage. Avec le petit film. Hop. Déballage. Hop, on enlève le fameux film Apple. Et ben, un produit Apple 9, hein, que ce soit un Mac, un iPad, un iPhone, voilà. L'instant est court mais il est bon. Hein. Donc je vais mettre le film là. Donc voilà la boîte, iPad Pro hein, classique. Donc c'est pas le 4G, hein, c'est normal. Hop, je relève. Et là, waouh, une machine de fou. Donc vous voyez un peu la bécane. Ça me rappelle, donc j'avais déballé l'iPad Air 2 en 2014, l'iPad 4 en 2013, l'iPod Touch 1 en 2008 et l'iPod Touch 4 en 2011. L'iPad Mini 32Go en 2013 aussi, l'iPad Mini 1 et l'iPad Mini 4 en 2015. Donc la boîte ici, rien de grand de space. Donc pourquoi un grand iPad? Bah parce que tout n'est jamais assez grand pour moi. Sur mes caméras il faut des écrans en plus, sur mes iMac bah, c'est deux gros 27 pouces. Mon écran c'est un 55 pouces, donc un peu plus de 130 cm, rien n'est assez grand pour moi. Hein. Même quand je prends des Mac rétro, je prends toujours les versions avec les plus gros écrans s'ils ont existé. Donc là, hop, je prends l'iPad Pro 2 dans mes mains. Waouh, pour la classe. Oh, c'est génial. Donc voilà. Avec le fameux appareil photo qui dépasse parce qu'il filme en 4K 4K Resolution. Donc c'est magnifique. Hein. Voilà, léger, hein, fin. Alors le câble Lightning dans la boîte. Toujours emballé de la même façon, à peu près. Donc un petit câble Lightning. Dans son petit support que je vais relever. Hop. Il faut enlever les trois petits bouts, voilà. C'est tout mignon. Et voilà. Donc un câble Lightning. Que je vais mettre là, donc le petit bout de carton que je vais remettre à sa place dans la boîte hein, pour la garantie, tout ça, mais ça c'est tout neuf. La notice, hein, comme d'hab, avec les stickers Apple, je pense. Voilà, ils sont toujours là. Malheureusement, je pense qu'un jour Apple n'en fournira plus. Hein. Il est tellement radin maintenant. Donc tout est là, donc c'est plutôt classe, comme d'hab. Hein. Et le chargeur. Hop. Protégé dans sa boîte comme d'habitude. Hop. Je suis ouvert. Ah non, voilà, ça
tire tout seul et voilà. Donc voilà le chargeur. Il y a aussi une protection là. Hop. Et ça, à mon avis, ça s'enlève pour y mettre une version étrangère. Vous voyez. Et le câble que l'on branche comme ceci. Hop. Et on recharge l'appareil. Rien de plus à dire. Et il n'y a rien d'autre à l'intérieur. On va mettre ça comme ça. Hop. Et voilà. On referme la boîte de l'iPad Pro 2. Et voilà. Superbe boîte. La superbe tablette que je vais immédiatement enlever de son petit film. Comme d'habitude. Hop. Et je tire la bestiole, le monstre de puissance de son étui sexy. Et voilà. Hop, je mets ça au-dessus. Est-ce que je suis bien dans mon petit angle? Oui, je suis très bien. Alors, bon bah ça va être bon là. Donc voilà, l'iPad, waouh, c'est magnifique. Un petit truc à faire, vite fait, voilà. Donc la tablette est absolument nickel, vous voyez. Touch ID version 2. Là, le truc pour mettre le doc, les documents, les claviers, la pomme, le flash. 4 enceintes, cette tablette a vraiment tout pour elle. Premier allumage de l'iPad Pro 2 pour ce qui est de ma part. Fou, quand il s'allume, c'est waouh. Donc voilà, ça me rappelle vraiment l'iPad Air 2 que j'avais déballé à 128Go en 2014. La vidéo est encore dispo sur ma chaîne en full HD. Car à l'époque. Ah ouais, donc ça débarque quand même beaucoup plus rapidement, même pour la première fois, qu'un iPad de normal. Bonjour. On appuie là, ok. Alors français. Donc je vais passer à accélérer le ce truc hein, quand on configure. Voilà, je fous dans tous les chargeurs. Parce que j'ai mon code de Livebox que je vais rentrer tout de suite. Déjà je vais accélérer le paramétrage de l'iPad. A tout de suite. Et voilà. Waouh. Moi je dis, il n'y a pas plus classe que cette tablette. Ouf, putain, ça fait des sensations. Ah puis avec l'affichage 120 Hz, ProMotion. C'est un truc de malade cette tablette, sérieux. Oh là là, cette rapidité, cette fluidité, donc on a déjà iMovie de base. Ah ouais, on y sent que c'est fluide. MDR. Ouais, ça fait une différence et vous voyez quand je fais ça toujours donc sur l'App Store et je vais télécharger et acheter des nouveaux jeux pour me régaler via cette merveilleuse tablette. Tout est fluide, ah ouais. Donc là on voit vraiment que c'est un iPad Pro. Là, je vais revoir l'Exod Dame là, même testy. J'aimerais que je me le faire celui-là à 9€. Ouais. Un petit budget de 100€, donc je peux acheter 100€ d'application là, un petit budget en plus, comme ça au moins je peux me régaler avec, en plus d'une tonne que j'ai déjà les plus gros jeux en plus. Donc avec Metal 2, la nouvelle puce A10X Fusion, les 4Go de RAM, la caméra 4K, le SSD à l'intérieur de 256Go, l'écran, le ProMotion, le Wi-Fi rapide, Touch ID, la finesse, les 4 haut-parleurs, je vous dis moi. Il manquerait peut-être juste un petit moteur pour vibration, peut-être. Et encore, j'exagère peut-être. Mais franchement, énorme, waouh. Ah, c'est génial. J'ai l'impression que c'est pas un écran. Ça réagit tellement. Ah ouais, on sent vraiment la différence. Hein. Bah écoutez, je vais installer tous mes jeux. Hein. Ouais, tous les jeux que j'ai déjà achetés. Vous voyez un peu.
Regardez, vous voyez un peu. Et tout ça, c'est payant, pratiquement. Ah, elles sont gratuites, ma soeur a pris depuis, mais. Donc, tout ça, je vais y prendre. Tout ce que j'ai là. Et on va se régaler. Et il y aura une vidéo test, comme j'avais fait de l'iPad Air 2. Une vidéo consacrée au test de l'iPad Air 2. Je mange du chocolat maintenant, excusez-moi. Et voilà. C'est magnifique. Allez, je vous dis à la prochaine et profitez bien de vos achats de Noël. Et je vous souhaite encore un joyeux Noël, de joyeuses fêtes de fin d'année. Un très bon réveillon de fin d'année en 31 et 1er janvier. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reproductions de jingle, autres vidéos, clips et la future vidéo du test de l'iPad Pro 2. Salut à tous!